La motorisation des deux modèles était confiée au même constructeur, Turbo Mecha, avec un... Une vrille, c'est un décrochage dissymétrique entretenu. Petit à petit, en réduisant le moteur au maximum, on arrive à l'incidence de décrochage. Donc l'avion aura une assiette qui sera légèrement accabrée. Il n'aura plus assez de vitesse pour tenir en l'air, donc normalement il va tomber. Mais en même temps qu'il tombe, je crée une dissymétrie sur le vol de l'avion, c'est-à-dire qu'il n'avancera pas comme ça. Et comme il va se mettre à avancer comme un crabe avec le décrochage, il se trouve que cette aile-là va perdre de la portance avant celle-là. Il va passer sur l'eau, il va continuer à tomber. À un moment donné, là, dans cette phase-là, il va accélérer. Les ailes, la portance de l'aile va raccrocher, les deux ailes en même temps. Donc il va remonter un petit peu le nez. Comme je continue à entretenir à la fois le décrochage en tenant le manche vers l'arrière pour le faire cabrer et la dissymétrie, hop, il va repartir une deuxième fois. Ça, c'est une vrille. Donc, c'est vous qui serez à ce moment-là le métronome. Une fois qu'on a fini le travail, j'annoncerai fin de travail et puis retour patrouille vers Candiargues. Le visuel prêt. Pour y stresser, aucun sorti de rire.